Salut à toi amigo. Voilà, tu débutes un petit peu dans la rumba catalane, tu as quelques accords, un petit peu de rythme, mais tu as l'impression de tourner en rond, tu sais pas trop quoi jouer. Cette vidéo, elle est pour toi. Alors à travers ce format de vidéo, ça va être très facile. On va jouer ensemble de la guitare aujourd'hui, tout en écoutant un disque, une rumba catalane de Peret, 1971, Borriquito como tú. Sur trois accords, très facile, ça va doucement, mais ça groove. Je passe la musique. Je joue par-dessus, avec ta guitare tu fais pareil. Tu n'as qu'à suivre ce qui va se passer, les accords seront indiqués. Allez, on y va ensemble. Y sé más que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, ay, borriquito como tú. Ay, borriquito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú. Y más que tú, ay, borriquito como tú. Alors dites-moi à travers les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo? Jouer sur des accords de guitare en écoutant de la musique. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Allez, on va voir trois petites astuces pour les changements d'accords. Alors la première astuce, c'est de plaquer un Mi comme si on faisait un Mi. Donc en fait, on fait un Mi. Ça, c'est une astuce qui n'en est pas une. Ensuite, lorsqu'on va changer, et c'est là que ça devient intéressant, du Mi pour descendre au La, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier l'index, on ne va pas l'utiliser. Et en fait, on va juste descendre les deux doigts et le petit doigt le rajouter sur la corde de Si. Tout simplement, vous voyez? De là, l'index peut récupérer sur la corde de Sol et on monte les deux doigts, juste comme ça, vous voyez? Voilà, ça c'était la première astuce. Et la seconde, c'est au niveau de l'accord Si, puisqu'on est dans un compas, dans une rythmique qui est assez franche.
Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt que de mettre le majeur sur la corde de La, je préfère le mettre sur la corde de Mi. Comme ça, on a vraiment toutes les cordes bien enveloppées dans le compas. Allez, on va se refaire un passage de cette chanson. Et toujours pareil, on passe la musique. Tu as ta guitare, j'ai ma guitare. On est ensemble, on y va tout doucement. C'est du perrette, donc ça groove. Ça va doucement, ça groove. Et surtout, il y a les breaks. Et là, c'est intéressant. On fait les breaks et on repart. En fait, la structure de ce morceau, ça va être une introduction, refrain, ensuite couplet. Et ça termine avec des refrains et des breaks. Ça, c'est typique de perrette quand même, de bien placer des breaks dans son groove. La musique, jouer ensemble par-dessus, mettez-le dans les commentaires, on en fera d'autres. Viva la musique!